contenti da ora in poi, perché quegli ultimi siamo proprio noi. Per cui state attenti a voi, perché quegli ultimi siamo proprio noi. Ils disent tous que notre âge est le plus bel âge de la vie. Mais est-ce qu'ils savent au moins ce qu'on doit supporter? Le bahut, par exemple. Je sais pas pour vous, mais moi, mes profs sont complètement jetés. Et le pire, c'est qu'ils ont le pouvoir de nous faire perdre un an de notre vie. Quand c'est comme ça, on a envie de se réfugier auprès de ses parents, mais vous connaissez pas les miens. Ils rentrent à peine de Cuba. Quand ils sont partis, ils étaient avocats. Depuis qu'ils sont rentrés, on se croirait à la Danse Académie. Avant, ils avaient un petit couple. Maintenant, c'est un prof de salsa. Et ils ont entraîné ma crétine de sœur avec eux. Il me reste qui, alors? Mes amis et Federica, un rêve inaccessible. Mais ce qui compte le plus, c'est mon blog. Dernier de la classe. J'ai des tonnes de visiteurs. Personne ne connaît mon vrai visage, mais tout le monde pense que je suis un mec hyper cool. Tu verras bien. Un jour ou l'autre, tu te rendras compte que je suis un type hyper cool. D'accord, je suis pas si génial que ça. Mais je m'entraîne. Le tout, c'est de trouver la bonne occasion, et croyez-le ou pas, ça peut même arriver un jour comme celui-ci. Un jour où plutôt que d'aller au bahut, on préférait encore aller bouffer avec Hannibal le cannibale, le jour de la remise des bulletins. Chers jeunes gens, laissez-moi vous le dire, ça ne va pas du tout. Ce premier trimestre est un véritable désastre. Si on avait été en juin, la moitié d'entre vous aurait été recalés. Peut-on savoir pourquoi vous faites toujours les mêmes erreurs? Et là, je m'adresse tout particulièrement à ceux d'entre vous qui, l'an dernier, avaient déjà été recalés. Voici les bulletins distribués, monsieur le directeur. Un vrai désastre. Si seulement quelqu'un pouvait avoir le courage de parler. Non, Michel. C'est pas le moment. Profil bas, surtout. Et fais pas l'andouille, d'accord? Ah, monsieur le directeur. Oui? Je peux dire quelque chose? Je vous en prie, Robotti. C'est vrai que la plupart d'entre nous ne bossent pas leur cours. Qu'on est mal élevé et tout ce que vous voulez. Mais vous avouerez que les professeurs ne font absolument rien pour nous motiver. Si on prend Madame Capozzi, par exemple, elle entre dans la salle, elle dicte son cours, et visiblement, c'est le même cours qu'elle rabâche depuis 20 ans. Et puis on passe au contrôle. Ne l'écoutez pas, monsieur le directeur. Et c'est après, on a Grain de Sasso. Alors avec lui, c'est très différent. Il est très disponible, très prévenant, surtout avec les filles, par contre. Nous, les mecs, il ne voit même pas. Mais qu'est-ce que tu racontes? Ah, et puis on a Yessa. Alors elle, ça c'est pas compliqué. Elle peut nous parler pendant des heures d'extraterrestres, des pyramides mayas ou encore de E.T. Et d'accord, c'est intéressant aussi. Mais ensuite, elle nous interroge sur le programme des sciences qu'elle ne nous a jamais expliqué pendant l'année. Tout cela est faux, monsieur le directeur. Que ces jeunes gens expriment leur opinion, je trouve ça tout à fait légitime. Et c'est à nous, professeurs, de les intéresser à nos matières. Néanmoins, mon cher Robotti, il va falloir que tu te décides à étudier. Étudier. Parce que d'après ce bulletin, tes résultats sont vraiment très mauvais. Mauvais? On dirait que tu cherches à disputer la dernière place à Bidéry. Pour vous sauver tous les deux du redoublement, il n'y a qu'une solution. Il ne vous reste plus qu'à attendre un... miracle, jeune homme. Amen. T'as été trop génial. T'as vu la tranche qu'ils ont tirée? Tu les as mouchés, mais bien comme il faut, sérieux. Allez, on va fêter ça. Un bulletin digne du Guinness. Quoi, tu crois que j'ai empiré la situation? T'es déjà le dernier, qu'est-ce que tu veux empirer? Michel, t'as vraiment été génial, tu sais. Ce soir, je suis invitée à une fête, pourquoi tu ne nous rejoindrais pas? C'est une soirée privée. Sérieux les filles, c'est une soirée privée? Évidemment qu'on va venir, pas vrai Michel? C'est ça, si tu veux, tu peux venir toi aussi. D'accord, je viendrai, avec grand plaisir. Bon, salut. Cécilia, s'il te plaît, attends-moi! Est-ce que tu veux que je te donne l'adresse? Ouais, je t'écoute.
C'est dingue. Il suffit d'un regard et la vie te sourit à nouveau. C'est peut-être mon pote Scott qui a raison. Pour le regard d'une nana, il s'est mis à bosser comme un malade. Il veut la rejoindre à Londres le plus vite possible. C'est là qu'elle fait ses études. Il y a plus de 2000 km entre eux, mais il lui envoie une fleur par jour. Moi, si je sortais avec Federica, ce ne seraient pas des fleurs virtuelles que j'enverrais. Ce seraient des parterres, des jardins, des parcs naturels, des collines entières. De ce côté-là, je ressemble plus à Scott qu'à Steve. Lui, les trucs romantiques, c'est pas vraiment son genre. La seule fois qu'il a fait un cadeau à une nana, il l'avait acheté dans une boutique porno. D'après sa théorie, il y a 1 milliard de nanas sur Terre, et pour trouver l'âme sœur, il faut sortir avec toutes. T'as besoin d'un coup de main? On dirait que oui. C'est fait. T'es un ange. Je comprends jamais rien à ces trucs-là. Comment je peux te remercier? Eh ben, tu pourrais déjà me dire comment tu t'appelles? Julia, enchantée. Steve, je peux te donner mon numéro de téléphone? Au cas où tu retomberais en panne, tu pourrais toujours m'appeler. C'est dommage, je l'ai pas sur moi, là. Mais si tu veux, je te laisse mon numéro. C'est pas un problème, ça. Je viens de l'acheter. On va l'inaugurer avec ton numéro. T'auras qu'à m'appeler quand t'auras envie. Salut. Ce que Steve n'a pas encore compris, c'est que quand t'as trop de bol, il faut te méfier. La chance, ça dure pas longtemps. Et une tuile n'est jamais très loin. Mais merde! T'es marre! Non plus, la vie ne sourit pas toujours. Sauf que c'est le genre de choses qu'il ne raconte pas. Pour ne pas ternir son image de mec à qui tout réussit. Vas-y, fais voir. Ah, voilà, c'est parfait. On dirait moi. Sauf qu'il en faudrait plus que ça pour séduire Federica. Attends, elle est déjà séduite. Ce soir, ce sera toi, le héros. Tes adversaires sont à terre et tu es devant la porte, hein? Qu'est-ce qui pourrait t'arriver? Et que je me vautre. Et tu te rappelles de la nana de la randonnée? Tout se passait bien jusqu'au moment où tu t'es mis à parler tactique de foot. Mais non! Je lui ai dit qu'elle était du genre à être de la Champions League, alors que toutes les autres nanas étaient de seconde division. Attends, tu peux pas te contenter de lui mettre la langue dans la bouche et c'est tout? Bah dis donc, les garçons. Mais où est-ce que vous allez saper comme ça? Vous n'étiez pas invité à une fête? Attends, Robbie, j'ai encore jamais critiqué ta façon de t'habiller, alors sois gentil, lâche-moi, hein. Bon, très bien, si ça vous va comme ça. Dis donc, j'entrerai pas manger à la maison ce soir. Je resterai chez moi. Tu préviens maman? Salut. Ouais, salut. Dis donc, ta sœur, elle est vraiment bizarre. Mais elle fait quoi? Bah, j'ai pas trop bien compris, elle organise des spectacles, je crois. En tout cas, elle a raison. On peut quand même pas aller à la fête fringuée comme ça, ça craint. C'est une fête privée, c'est pas n'importe quoi. Et on fait quoi? Michel, je m'étais pas sapé comme ça depuis ma communion. Arrête un peu de râler, on est super beau, on dirait deux mannequins, regardez ça! Si tu le dis. Non, sérieusement, dans une soirée privée comme celle-là, si jamais tu te pointes sans ta cravate, il te laisse même pas rentrer, tu vois le genre? Allez, viens. Non, mais c'est qui ces deux pingouins? Reviens! Allez! Ah, c'est gentil! Non, mais je suis sûr que c'est pas le genre de Federica. À tous les coups, c'est les amis de ses amis de ses amis. Les amis de ses amis de ses amis? Ouais, regarde, Federica est là! Non, j'y arrive pas, je me casse. Non, Michel, détends-toi, hein. Je suis là, je suis venu pour t'aider. Souviens-toi, c'est ma mission, d'accord? Oui, oui. Qu'est-ce qu'il y a, Steve? Hein? Qu'est-ce qui t'arrive? Hein? Oh! Qu'est-ce que t'arrives? Je t'entends pas, on se retrouve plus tard, d'accord? Non, mais attends, tu peux pas. Ça, c'est un vrai pote, ça, merci. Salut! Salut!
fait habiller comme ça? Ah, oh, mais c'est une idée de Steve. Et toi, tu fais tout ce qu'il te dit, c'est ça? Tu sais ce que j'ai ressenti quand je t'ai vu là? Non, ressenti quoi? Tu sais, les films d'horreur où on distingue les vampires des personnes normales parce qu'ils n'ont pas de reflet dans le miroir. Oui, on les reconnaît aussi grâce à leurs cheveux longs et parce qu'ils se transforment en chauve-souris. Non. Je voulais te dire que tu es la seule à te refléter dans mes yeux. Ouais, pour Steve, du moment qu'elle respire... Ouais, mais bon, faut reconnaître qu'elle est pas mal. Ouais, si on veut. T'as vu un peu les gros mollets qu'elle a? Ouh! C'est vrai, ouais. Je t'ai trouvé génial aujourd'hui avec le directeur. Merci, c'est gentil. Dis donc, si je te raconte un secret, tu me promets de rien dire à personne? Oui. Je tiens un blog sur Internet. Ça s'appelle Les Derniers de la Classe. Attends, je te note l'adresse si tu veux. Comme ça, si jamais... Attends. Ah, voilà, je vais te l'écrire. Si tu veux aller voir, comme ça, t'auras le nom. Dernier de la classe. Et c'était quoi, tes intentions? Oh non, 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 c'est pas les miens. Cet abruti de Steve a dû les mettre dans ma poche. Et... Laisse tomber. Si tu veux savoir, je... Enfin, je veux dire, toi, tu es une coupe de glace qui coûte 10 euros. Et les autres filles sont seulement des cornets à 50. Non, non, mais c'est un compliment. Là, en fait, ça veut dire que toi, tu vaux 10 euros et les autres, 1,50 euros. Oui. Je sais, Michel, ça va, j'avais bien compris. T'es un ange. Merci, c'est très gentil. Je crois que je vais y retourner, d'accord? Ouais. Salut. Là, c'est dans la poche, j'en suis sûr. Elle a préféré s'éclipser pour ne pas me montrer que je l'avais troublée. Enfin, je crois. Ladies and gentlemen! Quoi, une coupe de glace à 10 euros? Je préférais partir pour ne pas lui rire au nez. Chut, voilà. Comme vous le savez tous, chaque été, les maîtres nageurs parient sur celui qui séduira le plus de filles. Personnellement, je trouve ça très très macho. Mais on va réparer cette injustice dès ce soir. Nous y lirons ensemble... Miss Maître Nageur! Il s'agira d'élire la fille qui est sortie avec le plus de garçons parmi les présents. C'est complètement stupide ce truc. Je vais dire, quelle est la fille qui aimerait que tout le monde sache avec qui elle est sortie? Alors les filles, qui veut participer à notre grand jeu? Ouais, allez-y les filles! Très bien, faisons les présentations. Stéphanie est notre première concurrente. Encourageons-la! Julia, s'il te plaît. Mais viens, on se casse. On se casse, je te dis. Viens, t'occupe pas de lui. Saluons maintenant notre deuxième concurrente. C'est quoi le problème? Levez la main. Si tu veux, je lui parle, moi, à ton père. C'est pas mon père, d'accord? Dernière concurrente, Federica, notre favorite. Oh non, je t'en prie, ne fais pas ça. Tu n'es pas comme les autres, tout vaut mieux que ça. Si tu sautes pas sec, tu ne fais pas faire. Si tu sautes pas sec, tu ne fais pas faire. Si tu sautes pas sec, tu ne fais pas faire. Si tu sautes pas sec, tu ne fais pas faire. Tu peux m'expliquer? Comment t'as pu sortir avec lui? Il a au moins 20 ans de plus que toi. Parce que t'as jamais fait d'erreur, toi. C'était un ami de mon père. On est sortis ensemble un an. Et puis, j'ai compris que c'était une erreur, alors je l'ai largué. Mais il passe son temps à me harceler. Hé, t'inquiète pas. Après la soirée, je m'occuperai de lui. Hein? C'est toi, mon héros. Quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Là! Michel? Oh non! Non, surtout faites comme si j'étais pas là. Allez-y, continuez.
Depuis cette nuit-là, Steve m'a inscrit sur la liste des moyens de contraception. Pour lui, il y a la pilule, les préservatifs et Michel Robotti, le plus efficace de tous. Il empêche même d'avoir des rapports. C'est comme ça que s'est terminée la soirée la plus triste de toute ma vie. Oh non. Je peux quand même pas dire à tous ceux qui lisent mon blog que je suis un crétin fini. Quand c'est toi qui écris l'histoire, tu as toujours la possibilité de faire rewind et d'arranger les choses à ta façon. Il ne s'agit pas de mentir, mais seulement d'embellir un peu la réalité. Peut-être que dans un univers parallèle, je suis vraiment le seul à avoir couché avec Federica. Le souci, c'est que je ne vis pas dans le bon univers parallèle et que je suis le seul à ne pas avoir couché avec elle. C'est toi qui fais tout pour que je m'en aille. Moi ? Oui, toi, Morena. Regarde-toi, tu te laisses aller. Tu ne prends même pas soin de toi, rien ne t'intéresse. Non, mais je peux changer. Non, écoute, on en a déjà discuté. Hein. Je m'accorde simplement un délai de réflexion. Avec elle, c'est ça ? Ce que tu peux être vulgaire. Ce n'est pas elle le problème. Le problème, c'est nous et notre couple. Laisse-moi au moins un tout petit peu de temps pour me décider. Et arrête un peu tes jérémiades. À chaque fois, c'est la même chose. Mais de quoi tu parles ? C'est pas vrai. Dès que je veux te parler, t'es pas disponible. T'arrives et tu repars. T'es toujours au téléphone. C'est vrai ? D'ailleurs, je suis en retard. On m'attend au bureau. On en discutera une autre fois. Au revoir. C'est ça, oui. Pourquoi tu as bougé les livres ? Non, désolée, je voulais pas. C'est peut-être en faisant la poussière, je... Il faut les ranger par ordre de taille. Décroissante, oui, décroissante. Décroissante. Combien de fois est-ce que je te l'ai dit, hein ? Combien de fois il faut que je te le dise ? Quel abruti. Non. Non, tu n'as pas le droit de dire ça. Après tout, cet homme-là est toujours ton père. C'est ça, oui. Il te laisse tomber pour une pétasse, il te traite comme une boniche, mais à part ça, c'est toujours mon père. C'est mon abruti de père. Et voilà. T'as vu un peu cette belle journée ? Le soleil de Cuba nous a suivis. Michel, ils vous ont toujours pas donné les bulletins ? Non. Maman, je peux emmener le blond à l'école ? Non, Carlotta, il vaudrait mieux pas le déplacer. On peut savoir qui c'est, ce blond ? Regarde un peu comme il est joli. Et c'est quoi cette horreur ? Moi, je croyais que t'avais un petit chien ou un cochon d'Inde. Les cochons d'Inde, il les croque, lui. Non, il mange seulement des grillons vivants. Vous êtes complètement dingue. C'est un client, il ne pourra pas rentrer chez lui avant quelques temps. Ils n'ont pas voulu l'assigner à résidence. Ok, j'ai compris, mais je savais pas qu'on avait ouvert un hôtel pour les araignées des détenus, moi. Je te trouve nerveux, t'as mal dormi cette nuit ? Tu t'es amusé au moins à la fête d'hier soir ? Vu sa tête, il a dû se prendre un râteau, c'est sûr. Alors là, vous êtes bien toutes les mêmes. Vous pensez peut-être pouvoir nous traiter n'importe comment, juste parce que vous avez des seins, là. Allez, laisse tomber. Laissez tomber. Qu'est-ce qui te prend, là ? C'est faux, j'ai encore rien du tout. Franchement, vous seriez pas nerveux, vous, de retourner au bahut après être passé pour un crétin fini la veille ? Parce que je suis vraiment passé pour un crétin. Si vous cherchez crétin sur Internet, je suis sûr que vous tomberez sur ma photo. Michel ! Alors, comment ça s'est passé à la fête hier soir ? Très mal, merci. Ah, c'est vrai ? Qu'est-ce qu'il regarde, cela ? Qui, cette nana ? Cette suppléante et Madame Capozzi appartiennent à la même catégorie, celle du corps enseignant. Mais bon, franchement, il y a corps et corps, et elle, c'est vraiment une bombe. Par exemple, dans les dernières lettres de Jacopo Ortiz, vous les avez lues. Bon, je vous conseille de le faire, mais pas comme un devoir scolaire, plutôt comme un plaisir. Et figurez-vous que c'est un livre particulièrement moderne. Bien sûr, s'il l'avait écrit aujourd'hui, il l'aurait appelé les emails de Jacopo Ortiz, non ? Mais il faut y voir avant tout les écrits d'un jeune homme amoureux. La vache, qu'est-ce qu'elle est bonne. C'est sûr qu'avec
avec elle en premier d'étudier l'anatomie que la littérature. Ses mollets sont carrément énormes. Et je vous en prie, surtout, n'allez pas vous imaginer que ce sont des auteurs ennuyeux tout simplement parce qu'ils sont d'un autre siècle. L'expression des sentiments, de la passion, tout cela est tellement d'actualité encore aujourd'hui. À demain. Attends, ça, c'est la suppléante? Eh ben, ça change de Hugo Foscolo. J'ai trouvé ça sur Internet. Le calendrier est pas récent, mais déjà à l'époque, elle se faisait appeler Miss Standing Ovation. On peut pas la louper. Surtout si on va la chercher exprès sur Internet. Non, en fait, je cherchais le calendrier de la Serie A de football et je suis tombé là-dessus, c'est tout. Alors là, je passe pour un crétin. C'est sûr que c'est autre chose que les coupes de glace à 10 €. Attends, qu'est-ce que tu viens de dire là? C'est vrai quoi, franchement, elle est belle. Non, c'est pas du tout ce que t'as dit. Elle l'a raconté à tout le lycée. Quoi donc, l'histoire de la glace à 10 €? Ah oui, moi aussi je l'ai entendue celle-là. Non! Oh! Attends, mais c'est... Déconne pas, c'est la voiture de mon père! Vas-y, lis-nous sur SMS, on t'écoute. C'est trop dément. Les gars, j'ai perdu 60 kilos en un jour. Ma femme s'est tirée de la maison. Trop bon! Attends, il paraît qu'il y a un lycéen qui a déclaré sa flamme à une camarade de classe, il lui a dit... Eh, écoute ça, il parle de toi, la radio. Les filles sont des cornets à 1,50 €. Il est prêt de ses sous, non? Sérieusement? Attends, c'est pas fini, il paraît que ce garçon qui a un code sur Internet s'est passé pour un tombeur. On a même l'adresse du site, c'est trop géant. Prenez de quoi noter. Non, pas l'adresse, non! T'as un blog sur Internet, j'hallucine. Je vois que les nouvelles vont vite, hein. Mais pourquoi tu nous avais jamais dit que t'avais un blog? Bah parce qu'il avait honte. Tiens, regarde. Aujourd'hui, j'ai envoyé balader le bahut. Le dernier de la classe est le meilleur au pieu. Dis donc, tu racontes que des conneries. Je vois pas pourquoi tu te fatigues pour 3 crétins qui surfent sur ton blog. Avant, j'avais 3 000 visiteurs tous les mois. Combien? 3 000 par mois. Et pourquoi tu l'as raconté à Federica et pas à nous? Attendez, c'est bon, je vous l'ai déjà dit, j'ai eu un moment de faiblesse, d'accord? D'accord. Alors je vais te dire, quand j'ai eu mes règles pour la première fois, je l'ai tout de suite raconté à Federica. Et le lendemain, tout le monde m'appelait Miss Tampon Hygiénique. Je comprends pas. Pourquoi t'es encore copine avec elle, alors? J'en sais rien, peut-être... parce que c'est quelqu'un d'un peu fragile. Elle me fait de la peine. Fragile? Federica? Attendez, je crois qu'on parle pas de la même personne. Si tu sautes pas, tu te l'es pas fait. Dans ce cas, une nana qui a besoin de se faire tous les garçons qu'elle rencontre pour se prouver qu'elle vaut quelque chose, comment vous appelez ça? Une nana altruiste? Généreuse? Ah. Ah, Federica, t'es enfin là. Parfois, nos mères sont vraiment terribles. J'avoue, dans ma chambre, il y a des fringues sales d'il y a 3 jours, j'étais par terre. Et comme je dis toujours, qu'est-ce que ça peut te faire? C'est moi qui vis dedans. T'es pas à l'hôtel ici. Justement, pourquoi elle fait le ménage? Et ma vie privée alors? J'ai pas le droit d'avoir une vie privée, moi. Je comprends pourquoi t'avais peur de nous montrer ton bulletin. Tu n'atteins même pas la moyenne, même pas en éducation physique. Tu as déjà redoublé l'an dernier, Michel. Si c'est comme ça, on pourra plus avoir confiance en toi. Écoutez, j'ai compris. Je vais bosser à partir d'aujourd'hui. C'est ce que tu nous avais dit la dernière fois. Et les résultats... T'as été recalé. Carlotta, s'il te plaît, maintenant va jouer dans ta chambre. Allez, dépêche-toi. Tu ne retourneras pas au lycée, Michel. Comment ça, j'irai pas au lycée? On va te prendre 2 professeurs. Un pour les matières littéraires, un pour les scientifiques. Et tu passeras les épreuves en candidat libre. Si tu ne veux pas perdre ton année, tu n'as pas le choix. Et surtout, essaye de t'appliquer davantage. Les cours privés, ça n'est pas donné. Tu en sais quelque chose, pas vrai, José? Eh oui, Mario. Chaque chose a un coût. Si tu veux une maison, tu payes. Tu veux un mojito, tu payes. Et si t'aimes danser, tu m'engages. Mais depuis quand il vit ici, celui-là? Et aujourd'hui que ma nouvelle vie commence, la seule chose qui me console, c'est que Federica va enfin s'apercevoir que ma présence lui manque. Ça fait tout drôle qu'il ne soit plus là. De qui tu parles?
Eh bien, ma foi, ces livres ont l'air pratiquement neufs. C'est que j'essaye d'en prendre soin. Oui, je dirais même que tu en prends trop soin. Bien, alors j'avais pensé, pour commencer en douceur et en guise d'entraînement, te montrer un tout petit exercice de mathématiques. Tiens. Oh, désolé. Oui, allô? Oh, mon amour, oui. Non, non, je suis encore particulier, avec un garçon. Mais non, quelle poitrine. Tu sais que je t'aime, ma chérie, tu sais bien que je t'adore. Bonjour à tous. Bonjour, madame. Tu nous manques. Vous aussi, vous me manquez. Allez, concentre-toi un peu. Ce n'est pas une question difficile. Mais pourquoi n'as-tu pas appris ta leçon? Tu le savais pourtant que je t'interrogerais aujourd'hui. Je sais, ouais, je ne l'ai pas apprise à cause de... Parce que je me suis fait enlever par les aliens. Quoi, j'ai un peu exagéré sur ce coup-là? Oh là là! Oh non, c'est pas vrai. Il y a vraiment qu'à moi que ça arrive. C'est pas possible. Faut vraiment que je collectionne. C'est pas vrai. Pardonnez-moi. Je crois que je suis un peu nerveuse en ce moment, un peu tendue. C'était pour le lave-linge, non? Lilo. Morena. Mais entrez, je vous en prie. Enfoiré! Pardonnez-moi, ce n'est pas contre vous. Est-ce que je peux faire quelque chose pour vous? Non, c'est rien, tout va bien. C'est rien, ça va aller, tout va bien. C'est pas vrai. Il n'y a rien qui va en ce moment. Tout va de travers. C'est justement quand tout va de travers que la chance peut tourner. C'est comme dans les vieux westerns, quand l'un des assiégés hurle « Voilà les renforts !» Mais personne n'a dit qu'il devait forcément venir à cheval. Ah, tant mieux, vous êtes là, nous on doit vraiment filer, on a un rendez-vous au bureau, et là on est vraiment très en retard. Vous vous êtes mis d'accord sur l'essentiel, non? Absolument, il n'y a aucun souci. Bonne séance, au revoir. C'est moi le super-héros des derniers de la classe. C'est pour cette raison que vous ne verrez jamais mon vrai visage. Je vais adresser un message à ceux qui essayent de pourrir mon blog. Je vais vous dire, moi, où vous pouvez vous les mettre, vos insinuations et Michel. Vos mensonges. Excusez-moi, j'étais en train de... En train de? Je me préparais pour la pièce de théâtre du lycée. Je croyais que tu n'allais plus au lycée. Non, en fait, on va la jouer à l'église dimanche prochain. Et le thème, ce sera l'Arche de Noé. Est-ce que tu te souviens de moi? J'ai remplacé un de tes professeurs au lycée. Non. Non, mais il passe tellement de professeurs dans notre bahut, je ne me souviens pas de vous, non. Tu as ton livre de littérature? Oui. Alors, vous venez pour... Te faire travailler les matières littéraires. Ah! Oui, et bien alors, si vous voulez bien vous installer, je vais chercher le bouquin de littérature, d'accord? D'accord. Oui. Il est architecte. On s'est rencontrés pendant nos études à la fac. Et j'ai mon diplôme, moi aussi. C'est au moment où Cécilia est née que j'ai dû tout abandonner d'un coup. Non,
S'il vous plaît, arrêtez de faire la vaisselle, je m'en occuperai plus tard. Non, j'ai presque terminé. Vous, par contre, vous trouvez pas que vous buvez un peu trop? Dites donc, il faut qu'on la termine avant ce soir, hein? S'il te plaît, n'oublie pas. Fais bien les devoirs que je t'ai donnés. Oui, et excusez-moi encore pour tout à l'heure. Allez, au revoir. Au revoir. Steve, mais depuis quand est-ce que t'éteins ton portable quand t'es en cours? Tu devineras jamais qui est venu me donner des cours à la maison. Miss Standing Ovation! T'as vu mon calendrier, c'est ça? J'avais 18 ans quand j'ai fait ça. J'avais besoin d'argent pour mes études. Je comprends. Et ça n'a rien d'obscène. Au revoir, Michel. Au revoir. Vous voyez cette photo? Je l'ai trouvée aujourd'hui. Je suis certaine que c'est la pétasse avec qui il est parti. Si, si. Je suis sûre que c'est elle, je le sens. Mais c'est très curieux cette histoire, parce qu'il est très maniaque, lui. Il me fait ranger les livres par ordre décroissant, les statuettes, enfin, je veux dire... S'il a laissé traîner cette photo, ça veut dire que... Ça veut dire que cette fille lui a complètement tourné la tête. Oh, hé, tu m'écoutes, hein? Tu la trouves belle? Elle est jolie. Mais on n'était pas en train de parler d'elle, là, non? Il n'y a plus rien à dire sur moi, je t'ai déjà tout dit. Il me semble que j'en ai une autre dans la cuisine, je vais aller voir. Non, attendez, je vais pas pouvoir. On devrait peut-être s'arrêter là. Pourquoi tu dis ça? Hein? Maman. Oui, maman. Maman. Où il est? Qui? Ben, le plombier, où il est? Mais tu veux parler du type qui est sorti sur sa moto en zigzagant? Oh non, j'ai même pas payé la réparation. Qu'est-ce qu'elle fait là, sa photo à elle? Pourquoi, tu la connais? C'est la suppléante. Qui ça? On l'a eue en cours et tous les mecs sont devenus fous d'elle. C'est vrai qu'elle est belle, elle a même fait un calendrier. Mais qu'est-ce qu'elle fait chez nous? Ta suppléante, figure-toi que ton père aussi en est devenu dingue. C'est avec cette fille-là qu'il a décidé de partir. C'est vraiment gentil à vous de m'avoir communiqué toutes ces informations sur Robotique. Je vous avoue que c'est bien la première fois que je vois un professeur privé se renseigner comme vous le faites sur l'un de ses élèves. C'est tout à fait admirable. J'ai assez peu d'expérience, mais il me semble avoir compris que chaque élève possède son point faible, un élément sur lequel s'appuyer pour travailler. Le problème, c'est que Michel Robotti n'a pas véritablement un point faible. Robotti est un point faible. Il est irrécupérable. Ça suffit, Capozzi, c'est de cynisme. Au contraire, je trouve qu'on devrait récompenser votre enthousiasme. Je vais vous faire une proposition. Si d'ici à la fin de l'année, vous réussissez à faire progresser Robotti et qu'il réussisse ses examens, je m'engage à vous faire obtenir officiellement un poste de suppléante à l'année. Je vous avoue que ça me rendrait service. N'y comptez pas trop. Il a beaucoup plus de chances de gagner au super tirage du loto. Fouh. T'as l'air en forme? On dirait que ça te réussit de pas venir en cours. Comment ça se passe avec tes profs privés? Ça va, rien d'extraordinaire. Et toi, comment ça va? T'as l'air un peu triste, non? Zut, je pensais le cacher mieux que ça. Pas à moi. Oh, c'est à propos de mon père et de sa crétine de maîtresse. J'ai découvert quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Non, j'ai pas envie d'en parler. Je me sens trop mal quand j'y pense. D'accord. Cécilia? Andrea, qu'est-ce que tu fais là? C'est un de mes amis de plage. Ah, bah, je suis venu voir quelques potes. Comment ça va? Bien. T'es venu voir des amis? C'est qui? Tu me les présentes? Ouais, si tu veux. Passe, passe! Allez, ouais! Attends! Ouais, t'es le meilleur! T'es le meilleur, ouais! Ouais! I don't wanna wake up today, cause every day's the same. I've been waiting so long for some things to change.
Cecilia, tu peux venir une seconde, s'il te plaît? Salut, Federica. Salut. Tu vas bien? Ouais, et toi? Ça va. Écoute, je... Je voulais te demander quelque chose. C'est lui? Ouais. Il passe son temps tout seul à lire. Et c'est quoi le souci? Eh ben, tu vas voir. Excuse-moi, mais tu me caches la lumière. Et voilà. Est-ce que t'as vu ça? J'ai du mal à le croire. Vous m'avez fait venir ici juste pour voir ça. Qu'est-ce que j'y peux, moi, s'il ne calcule pas, ce gars-là? Attends, ça fait 2 semaines qu'il se conduit comme ça. Ouais, et alors? Mais t'es sûre qu'il n'est pas gay? Oh, non, il n'est pas gay, j'en suis certaine. Il venait déjà au bar des Jardins le soir quand j'avais 12 ans. Et déjà, il ne me calculait pas. D'ailleurs, il ne m'a même pas reconnue. Attends, quand t'avais 12 ans, tes parents te laissaient aller au bar toute seule. Mon père était déjà à Saint-Domingue à se taper des mineurs de son côté. Ma mère sortait déjà avec cet enfoiré qu'elle veut absolument que j'appelle papa. Qui s'occupait de moi? Je me souviens de cette période. Il avait commencé à sortir avec une fille et il venait plus très souvent au bar. Ça veut dire qu'il n'est pas homo? Je sais plus quoi faire. Moi, j'arrête. Il sait même pas que je suis là. Si tu savais, ça m'arrive tout le temps, ça. Oui, c'est justement pour ça que je t'ai appelée. D'habitude, elle claque des doigts et les garçons accourent. Ben justement, t'es la coupe de glace à 10 euros, non? Oui, mais dans ce genre de situation, j'ai besoin des conseils d'un cornet à 1,50€. Tu serais pas en train de m'insulter? Non, c'est vrai. Tu vois, les filles comme toi, quand elles veulent avoir un garçon, elles sont habituées à se battre, à inventer des tactiques. Je veux avoir ce garçon. Il veut pas de moi. Toi qui es habituée à ça, comment je fais? Tu t'es déjà pris une fourchette entre les deux yeux? Cécilia, attends, je crois que t'as pas bien compris. Oh, s'il te plaît, au nom de notre vieille amitié, aide-moi à le séduire. Bon. Si c'est au nom de notre vieille amitié, alors... Débrouille-toi. Et tu peux même aller te faire voir. Miss Standing Ovation s'appelle Barbara. Comme la première fille à qui j'ai roulé des pelles. Après, elle s'était lavé les dents et m'avait dit qu'elle avait accepté à cause d'un pari. Mais c'est qu'un détail. Quand tout le monde se fout de toi sur Internet, c'est difficile de penser à une fille, même à une fille comme Barbara. Et puis, il n'y a pas que la danse dans la vie. C'est une idée géniale. Oh, quel poids! Évidemment qu'il y a plein de fautes. Le latin est une langue morte. C'est quand même pas à moi de la ressusciter, non? Et j'ai peut-être un peu de retard en latin, non? Non, ça fait des années que t'as pas ouvert un livre de latin. C'est différent. Allez, à demain. À demain. Madame, j'ai l'intention de me mettre à bosser. Et de ne pas perdre mon année. Et aussi, d'avoir de bons résultats aux examens. Mais bon, j'aurais besoin d'avoir quelque chose qui me motive, quoi. Sinon, je n'y arriverai pas. D'accord, mais qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Si vous refaisiez pour moi quelques pages de votre calendrier, ça irait. Je vais faire comme si je n'avais rien entendu, Michel. Madame, attendez. Je plaisante pas. Ce que je suis en train de vous proposer, c'est une espèce de strip poker, mais éducatif. Tant que j'ai des progrès à faire, vous me montrez les mois les plus softs. Et si, et seulement si, je réussis mes examens, alors vous me laisserez vous voir comme sur la page du mois d'août. Non mais tu vas pas me dire qu'à votre âge, vous avez besoin de faire ce genre de choses pour voir une femme toute nue? Eh ben... si. Je viens de passer pour un abruti, c'est ça? Un peu. Tant pis. Bon ben, on se voit demain. Au revoir. Bonne soirée.
Si d'ici à la fin de l'année, vous réussissez à faire progresser Roboti... Michel ? Oui ? Je suis d'accord. Vous êtes d'accord, vous êtes... Condition numéro 1. Tu continueras à me vouvoyer, je suis toujours ta prof. Oui, madame la prof. Condition numéro 2. Tu continues à étudier sérieusement les matières scientifiques. Oui. Et condition numéro 3. Personne ne devra connaître ce pacte. D'accord. Affaire conclue. Et toi au travail. Maman, je suis rentrée. Maman ? Oui ? Mais qu'est-ce que tu fais ? Ben regarde, tu vois bien que le frigo marche plus, j'essayais de... C'est toi qui l'as cassé. Mais t'es pas bien ? Depuis quand je m'amuse à casser le frigo ? Oui, c'est vrai, j'avoue, c'est moi qui ai cassé le frigo, oui. Et pourquoi ? Parce que ces derniers jours, la seule personne qui m'ait offert une épaule sur laquelle pleurer, ça a été le type qui a réparé le lave-linge. Alors j'aimerais essayer de le revoir si tu le permets, d'accord ? Julia ? Qu'est-ce que tu fais là ? J'étais venue te faire une surprise, mais il y a encore ce psychopathe devant ton lycée. Ma chérie, il est encore là, cet arrêt. Viens, suis-moi. Ce type-là, c'est un malade. C'est un malade. Oh, j'en ai marre, j'en peux plus. Ta mère est au courant ? Mais non, tu rigoles, je lui ai rien dit. Ça me fait trop honte. Et aujourd'hui, tout ce que je veux, c'est une histoire normale. Je vois le style, il commence à lui sourire. Il y a la musique qui arrive tout doucement. Et ils sont dans un endroit de rêve. Je ne connais de plus romantique que ça. Ferme les yeux. Quoi, ce truc-là ? Bonjour. Ah, bonjour madame. Votre classe vous manque déjà ? Non, j'ai oublié mon sac. J'espère que c'est bon, rien ne me l'auront pas embarqué. Je serais bien embêtée car les contrôles de demain sont dedans. Il faudrait pas que ça tombe entre leurs mains. Bah ça c'est sûr. Et celui-là, c'est qui ? Qui ça ? Ce monsieur-là. Pardon monsieur, vous cherchez quelque chose ? Vous ne pouvez pas rester là, l'établissement est fermé. Allez, allez, sortez ! Mais bon, ça y est, je lui ai demandé de sortir. Vous avez bien fait, merci. Ah ! C'est curieux, comment t'as fini là, toi ? Mais doucement, on va nous entendre. Ouais. Ouais. Oh ! Que celui qui n'a jamais aimé me jette la première pierre ? Je ne crois pas, tu te maquilles pour le technicien ? Ben non, non, j'essaie seulement d'être un peu plus présentable. Je serais curieuse de le voir, ce fameux technicien. Oh, il est plutôt bel homme. Il est assez costaud et puis il a plein de trucs partout. Des tatouages, des piercings, des cheveux longs. Et puis, il a une moto magnifique, si tu voyais. En fait, c'est pas un technicien, c'est plutôt un biker. Oh, ça y est, le voilà. Vite, vite, va ouvrir. Bonjour, je suis le technicien. Je viens pour le frigo. Par ici. Pardon. C'est toujours pareil avec l'électroménager. Dès qu'il y en a un qui tombe en panne, les autres suivent. Bonjour. C'est qui, celui-là ? Non, excusez-moi. Vous êtes qui, monsieur ? Comment ça, qui je suis ? Je suis le réparateur de frigo. Je comprends bien, mais je m'attendais à voir quelqu'un d'autre, vous savez ? Vous comprenez le... Mais si ! Celui qui est venu l'autre jour, Lilo. Ah oui, je vois, on m'a parlé de lui, oui.
Vous avez eu de la chance qu'il soit venu. Parce qu'après être passé chez vous, il a disparu tout l'après-midi. Pas moyen de le retrouver. D'ailleurs, il a manqué 3 rendez-vous. Naturellement, il a été licencié aussitôt. Oh non, c'est pas vrai, il a été licencié? Je comprends pas pourquoi on devrait se faire suer à apprendre. À quoi ça sert d'avoir inventé Internet? Je suis vraiment désolé, ma belle. T'es tombée au bon endroit, au mauvais moment. C'est parfait. Dis-moi comment t'as fait. J'ai beaucoup bossé. So no table it don't call me now because it's gonna be crazy. À partir d'aujourd'hui, je ne suis plus Michel le loser. Tout le monde va enfin savoir de quoi je suis capable. Et je suis certain que ce sera la vidéo la plus téléchargée sur Internet. It's gonna be crazy. Naughty boy, don't come here now. Because desire's too high. Heart of my mind. Oh. C'est terminé pour aujourd'hui. Vous vous arrêtez là? Et c'est quel mois, ça? Si tu veux voir le reste, faut le gagner. Dans mes rêves, je suis sorti avec presque toutes les filles de ma classe, à part Cécilia, qui est comme une sœur pour moi. Maintenant, c'est au tour de la prof. Je ne rêve plus de Federica depuis un bon moment. On m'a dit qu'elle tombait de plus en plus bas. On l'a vue sortir au petit matin de chez un homme. Il paraît que ça arrive souvent. Elle arrive le soir. Et elle repart à l'aube, exactement comme les rêves. C'est justement en chantant la beauté de Béatrice qu'il a aimé d'un amour mystique durant toute sa vie que Dante créait son propre style, en abandonnant petit à petit les codes de la poésie courtoise de l'école sicilienne, pour entrer dans la catégorie des poètes mettant en rime leur amour. Accetti? Accetti, répète ce que je viens de dire. Et voilà. C'est sûr que si tu vas en boîte tous les soirs, il faudra t'attendre à ce résultat. Ouais, mais je suis pas là en boîte, là. Est-ce qu'on peut savoir où tu es allée? Je ne sais pas ce que je vais pouvoir faire de vous. Maintenant, voilà qui devrait vous réveiller un peu. Je n'explique plus, j'interroge. Vous passerez tous au tableau. Accetti, viens là. On va commencer par toi. C'est une version latine absolument parfaite. Vous avez été sensationnel. Si Robotti continue à progresser ainsi, vous obtiendrez le poste de remplaçante à l'année que je vous ai promis. J'espère que vous ferez profiter notre établissement de vos méthodes. Dans la mesure du possible, oui. Je sais seulement qu'il s'appelle Lilo et qu'il travaillait pour vous. Madame, je suis désolée, mais je ne peux pas vous donner son numéro privé. C'est particulièrement important. Je suis vraiment désolée. Si vous voulez, je peux vous envoyer quelqu'un d'autre. Écoute, ma belle, ce gros bâtard m'a mise enceinte. Ou pour le dire autrement, il m'a introduit son kit de reproduction. Sauf qu'il l'a retiré un tantinet trop tard. Time over, tu comprends ce que je dis? Maman, qu'est-ce que tu racontes? Alors maintenant, comme je n'ai que ce numéro pour le retrouver, ou tu me le donnes et je te laisse tranquille, ou bien tu viens chez moi et tu t'occupes du marmot. Qu'est-ce que tu préfères? Je regarde ça tout de suite. En demandant gentiment, on obtient tout ce qu'on veut. Oui, je dois dire que moi aussi, je suis très satisfait des progrès sensationnels que réalise notre Michel. Oh, excusez-moi. Oui, allô? Oh, ma chérie. Quoi? Mais non, il n'y a pas de femme ici, on est entre hommes. Je viens de terminer le cours à l'instant. Oui, oui, mon amour, oui. Vous boirez quelque chose? Oui, merci. Et voilà, un peu de jus d'orange.
Mais enfin, qu'est-ce que tu t'imaginais? Le seul que tu trompes dans l'histoire, c'est toi. T'es beaucoup trop immature. Non, madame. Notre pacte ne tient plus. Non, madame, j'ai tout copié sur Internet, d'accord, mais je me suis mis à bosser pour de bon. Je l'ai fait seulement pour accélérer un peu les choses. Allez, donnez-moi une autre chance. Je veux bien. Mais c'est la dernière fois, je te préviens. Si jamais tu te remets pas à travailler, je dirai à tes parents de trouver quelqu'un d'autre. Mais t'es malade? T'es dingue ou quoi? C'est la voiture de mon père, arrête! Ouais, ben justement, dis-lui de faire contrôler les freins. Il est garagiste, non? Allez, on y va, tu montes? Allez! Désolé, les gars, vous irez sans moi, faut que je bosse. Allez, arrête de dire n'importe quoi, prends tes baskets! Non, je suis très sérieux, je suis en retard dans mes devoirs. T'es malade? C'est pas ça, mais... C'est que mes parents dépensent plein de thunes pour me payer des cours, alors... Je veux pas leur faire ça. Arrête, c'est bon, tu me donnes envie de vomir. Allez, sors de la suppo de Satan, t'as reconnu. Non mais allez, dis-nous la vérité, qu'est-ce que tu nous caches? Dis donc, ça te va bien de dire ça, y'a que cette année que tu bosses, toi. Hein? Moi, je fais ça pour Chiara, et tu le sais. Ah oui? Alors, dans les jours qui vont venir, vous irez sur mon blog. Et vous saurez pourquoi je me suis mis à étudier. Salut. 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 On y va? Allô, ma puce? Comment ça va à Londres? Ouais, je suis avec les autres, là, on partait jouer au football. On se rappelle ce soir? Salut. D'accord, on se rappelle. Salut, Scott. Problems. I wasn't able to tell him. You must do it. You have to be honest with him. I know, I must tell him about us, but I want to do it looking at him straight in his eyes. So, as soon as I can, I'll get back to Italy and tell him everything. Don't feel guilty. It's life that revolves. Love is a carousel. C'est chouette ici, tu trouves pas? C'est très beau, oui. Non, attends, j'ai toujours peur que cette espèce de fou furieux débarque. Tu veux qu'il sorte de la boue? T'es sûr que tu seras pas comme lui, hein? Ah, oh, bah déjà, je suis plus sexy. Allez, sois sérieux. Lui, il pensait toujours qu'au sexe. Lui? Il n'y avait rien d'autre. Tu vois, il m'aurait jamais emmené ici pour discuter ou pour rire. Ouais. Il n'y avait que le sexe. Et moi, je voulais pas, je te jure. Ouais. Mais j'y avais droit à chaque fois. Moi, je suis différent. Et tu sais pourquoi? Parce que moi, je suis un danseur. Et c'est comme ça que Steve s'est fait embarquer la voiture. Si encore ça avait été la sienne. Il a tendance à exagérer, ton père. Il n'y avait pas besoin d'en faire une tragédie. T'as vu un peu la tête que tu fais, franchement, détends-toi. C'est ça, ouais, t'as raison. Je prête sa voiture à un de mes potes qui se l'a fait confisquer pour acte obscène sur la voie publique. Comment tu voulais qu'il réagisse, toi? D'accord, c'était des actes obscènes sur la voie publique. Mais de là à la confisquer, franchement, il y a de l'abus. J'étais à l'extérieur de la voiture. C'est sûr que t'aurais pu me dire qu'il était flic, mon ange. Pourquoi, mon ange? Ça aurait changé quelque chose? Vous en tirez de ces tronches? Hé, hey, oui. Pat! Salut, Chiara. Oh. Comment ça va? Dis donc, Michel. Tu savais qu'à Londres, tout le monde parle de ton blog? Ah oui, sans deck? C'était comment la phrase? You turn your ice cream cup and the other girl's only one and a half. Tu connais Julia? Salut, salut. Comment ça se passe à Londres? Bien, merci. Et regarde, il y a ton copain là-bas. Matteo? Alors comme ça, il est sorti de chez lui. Vous le connaissez tous les deux?
Pourquoi, vous connaissez pas son histoire? C'est le plus grand cocu de toute la Terre. Scott. Mais t'en fais pas, il entend rien. Il était fiancé avec une super belle nana et il voulait se marier. Et puis un jour, il était chez lui avec des amis et ils ont été sur un site porno comme ça pour déconner. Lequel? Je me souviens pas. En tout cas, ils ont téléchargé un porno, le genre de truc amateur tourné avec un portable, et dans lequel il y avait une nana qui sortait d'un paquet cadeau géant devant une dizaine de types. Et ensuite, tout le monde... Enfin bref, il le faisait, quoi. Et le problème, c'est que cette fille, c'était... Bah, c'était sa fiancée. Non, t'imagines un peu le truc. Comment il a réagi? Ça l'a rendu muet. Il a plus parlé pendant plusieurs jours à cause du choc. Et ensuite, il a commencé une grave dépression. Ça, ça nous arrivera jamais. Équations et des équations logarithmiques. Magnifique! Toutes mes félicitations. Tu entends ça, chérie? Je suis encore capable d'enseigner. Oui, oui, c'est un garçon. Il s'appelle Michel. Bravo! J'aurais pas cru que tu t'en sortirais si bien. Un pacte, c'est un pacte. Qu'est-ce que tu fais? Rien du tout. Michel m'a envoyé un message et... il me dit d'aller regarder sur son blog. Ah. Non, pousse-toi. Michel? 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 Oui, papa. Bonjour, monsieur.
Bonjour. Pardon, mademoiselle, je pensais que Michel était seul. Mais vous faites les cours en musique? Oui. Elle était en train de m'expliquer la métrique. Et elle faisait une comparaison avec le rythme musical. La métrique, absolument, oui. Bien sûr. Bon, alors, désolé pour le dérangement. Au revoir. Au revoir. À plus tard. On s'en est bien sortis, non? Oui, mais s'il te plaît, retourne-toi maintenant. Il faut que je me rhabille. Oui. Il paraît qu'il se passe des trucs bizarres sur ton blog. Non, il se passe rien du tout. C'est bien ça, le problème. Pourquoi tu me fais venir ici ce soir? Est-ce que tu te souviens du garçon dont parlaient Scott et Chiara l'autre soir? Oui, alors? Federica est red dingue de lui. J'ai fait des recherches pour retrouver son numéro de téléphone et je lui ai donné. On a décidé de l'aider à surmonter le choc pour qu'il reprenne une vie normale. Il paraît que ça marche. Je suis là pour réaliser tous tes rêves. Dans ce paquet cadeau, il y a une surprise inoubliable. Et ma récompense, ce sera de réussir à voir enfin ton sourire. Surpris, n'est-ce pas? Mais t'es qui, au juste? T'es qui, toi? Mais Mathéo... Qu'est-ce que... Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Je voulais seulement t'aider, Mathéo. Mathéo! Mathéo! C'est moi. Ce soir, c'est moi qui m'occuperai de ta maman. Va te reposer. Ne t'inquiète pas, on s'occupe de tout. C'est comme quand j'étais toute petite et que je venais te voir après avoir fait un cauchemar. J'ai encore tellement besoin de toi, ma tata Vanda, tu sais. Parce que t'es la seule à m'avoir toujours beaucoup aimée. Ma mère, tu la connais, tu sais comment elle est. Pour elle, j'ai toujours été une rivale plus que sa fille. Comme tu as grossi, comme t'es mollé son gros regard. Ça me faisait tellement de peine. Je sais que tout au fond d'elle, elle m'aime. Mais jusqu'où il faut aller, hein? Jusqu'à quel point il faut creuser? Si elle m'aimait tant que ça, pourquoi elle a laissé me jeter dehors comme ça? Pourquoi elle m'a jamais aimée? Est-ce que je peux être bête? Je croyais pouvoir la combattre. Et en fin de compte, je suis devenue exactement comme elle. Tu te souviens de Mathéo? Le garçon dont je t'ai parlé l'autre jour. J'ai tout gâché aujourd'hui. Non, il ne connaît pas la vraie Federica. Celle que tu connais, toi. Personne ne la connaît. Si tu savais devant combien d'hommes je me suis déshabillée. Mais aucun d'entre eux ne m'a jamais vraiment vue nue. Ce garçon-là, je suis presque sûre que ça aurait pu être le bon. Thank you.
là. Ça suffit. Non, non, attends, ça Barbara, suffit. Arrête. Va-t'en d'ici. Mais je ne veux plus jamais te voir. Non, attends que je t'explique. Barbara. Carlotta, qu'est-ce que vous faites dans ma chambre? Et puis, je t'ai déjà dit de sortir ce machin-là, le blond. Mais comment je peux te le dire? Il faut que je te mette un écriteau dessus avec marqué « Entrée interdite aux araignées venimeuses ». Et toi, donne-moi ça. Les tableaux d'affichage, c'est un peu comme les grilles de loto. Un, tu passes. X, tu dois rattraper des matières. Deux, t'es recalé. Cette année, c'est un moment que je ne pourrais pas partager avec les autres. Ouais, c'est bon, j'ai été reçue. Et toi, ça donne quoi? Je suis reçue, mais au rattrapage. Federica était très déçue de ses résultats. Mais qu'est-ce que ça peut faire? Après tout, Einstein aussi s'était fait recaler. Salut. C'est bon, t'es reçue? Oui. On se voit un de ces quatre? D'accord. Il me manque que deux matières, quel triomphe! Génial! C'est là, regarde. T'as été reçu, Scott. Tu m'as attendu? Alors, ça donne quoi? T'as combien de matières à rattraper? J'en ai aucune. Tout recalé? Abidiri! À sa mémoire! Non mais c'est bon, ça va, il est pas mort. Connaissant son père, j'en serais pas aussi sûr. Alors Abidiri, et à tes examens en candidat libre. Et à nous deux. Mais pourquoi tu les passes pas dans un autre bahut? Les professeurs d'ici, ils vont t'attendre avec le couteau entre les dents. Peut-être, mais je passerai pour un lâche si je vais ailleurs. Et ton blog? Ça fait plusieurs fois que je me connecte, mais il se passe plus rien. Qu'est-ce que tu fabriques, hein? Andrea! Cécilia! Vous vous rappelez de mon copain de la plage? Salut, j'étais venu retrouver des amis. Ça te dirait de prendre un verre? Ouais. Ah. Ben dis donc, on dirait que notre Cécilia mène une vie secrète. Je sais pas si c'est un copain de plage ou quoi, mais il a les mains qui traînent. Dis donc, Steve, j'aurais besoin que tu me rendes un service. Oh non, qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi le problème? Cocaïne, prostitution, quoi encore? Non, tu dois seulement arroser mes fleurs. Tes fleurs? Oui, dans mon studio, chez moi. Tu te souviens? D'accord? Je dois partir, il faut bien que quelqu'un s'en occupe, non? Tant pis, si tu veux pas, je demanderai à maman. Non, je m'en occupe. Ah bah quand même, je croyais m'être trompé de clé, ça s'ouvre pas. Oui, j'ai fait changer les serrures. Eh ben, t'aurais pu m'en donner un double quand même, mais... Désolée, ici, tu n'es plus chez toi. Il y a quelqu'un d'autre? Oui, l'homme qui a posé la serrure. Et donc, je ne peux pas rentrer chez moi parce qu'il y a un ouvrier. Qu'est-ce que t'attends de moi? Écoute, Morena, je t'ai dit que j'avais besoin de réfléchir à notre histoire et je suis arrivé à la conclusion que je voulais vivre avec toi. C'est dommage. C'est un peu trop tard pour ça. Non mais, attends, Morena! 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 Et enfin, entre les œuvres les plus importantes de Catulle, on retiendra la traduction en hexamètre de la chevelure de Bérénice de Callimaque. Mais vous m'écoutez, prof? Morena, tu es certaine de ne pas commettre une grosse erreur? Ton mari est un architecte et moi, j'ai galéré pour m'en sortir dans la vie. Lui, il est diplômé. Au contraire, moi, j'étais le dernier de la classe. Qu'est-ce que je peux t'offrir? Tu m'offres une nouvelle vie. Et si, en fin de compte, elle n'est pas meilleure que l'autre? Tu te rappelles ces chewing-gums américains? Dedans, il y avait un mot qui disait « Tu as perdu, retente ta chance ». Comment on peut savoir si le suivant est gagnant, si on ne tente pas sa chance? Je t'aime.
toi t'y arrives, y a aucune raison que je tente pas le coup. Est-ce que tu te rends compte? Pourquoi il ne l'a avoué qu'hier soir qu'il était marié et qu'il avait une fille? Et le pire, c'est qu'il m'a reproché de les avoir quittés à cause de moi. Mais comment j'aurais pu le deviner? Mais ouais, je sais bien. L'amour, c'est difficile. Qu'est-ce que tu connais, toi, en amour? Si vous saviez, l'amour, c'est un monde à part. C'est... Oui, voilà, c'est comme si une fille que vous trouviez facile à comprendre, comme la table de multiplication par trois, hop, d'un seul coup, elle devenait aussi compliquée qu'une équation qui remplit le tableau. Et c'est qui, pour toi, cette fille qui remplirait tout le tableau? Non, alors... Michel, j'en ai marre de faire semblant. Je veux plus jouer, les amis. Je veux faire l'amour avec toi. Ici, tout de suite, là, maintenant. Cécilia, mais qu'est-ce qui te prend? Tu parles toute seule. Non, je cherchais Michel. Ah, il a un cours particulier, mais tu peux entrer. Ils ont presque fini. Salut. Merci, au revoir. Je suis vraiment désolée. J'aurais pas dû te parler de mes problèmes. C'est une mauvaise idée. Eh ben, moi, je trouve pas. Au contraire. Ça veut dire que les profs aussi ont un cœur. Enfin, au moins quelques-uns. Hein? Mais qu'est-ce que t'as là? Où ça? Non, surtout bouge pas. Quoi? Bouge pas. Non, non. Attends, c'est le blond. Oh non, non. Je... Ah, je vous en prie, enlevez-moi ça, enlevez-moi. Attends, bouge pas, cette horreur, enlevez-moi ça. Mais comment je fais, moi? C'est pas comme ça, enlevez-moi cette horreur, bon sang. J'ai une idée, enlève-toi. Allez, assieds-toi. Je fais comment? Doucement, sinon elle va rentrer dedans. Je vous en prie. Doucement, doucement. C'est ça, c'est ça, on y est. Attention, essaie de pas bouger. Quelle horreur. L'autre. Quelle horreur. Ça vient. Pas trop fort, pas trop fort, pas trop fort, pas trop fort. Doucement. C'est bon. Tout doucement. Doucement, doucement. C'est bon, attention. Ouais. Bouge doucement. Oui. Michel? Va-t'en vite. Une araignée venimeuse. Oh, mais c'est quoi cette excuse bidon? Mais c'est vrai, je t'assure. Toi, d'avoir mon père, ça te suffisait pas. Il te faut Michel et puis qui d'autre? Oh non, t'es la fille d'Alberto. Mais c'est qui Alberto? C'est mon père. C'est l'homme dont je viens de te parler. Michel, t'as pas vu le blond? Il est là, regarde. Cécilia, Cécilia, t'es malade ou quoi? T'es qu'un gros nul qui sort avec des filles nazes. D'abord Federica, puis la prof, et puis qui encore? Mais puisque je te dis qu'elle m'aidait, il y a vraiment une araignée venimeuse. Et puis de toute façon, mais on n'est pas ensemble, toi et moi. Non, et ça risque pas d'abord. Je sors avec Andrea, celui de la plage. Comment ça? On l'a fait plusieurs fois dans sa voiture, sur la musique de Metallica. Et Gran Sasso aussi, il aime faire ça sur du métal. Gran Sasso? Cécilia! Cécilia! Oh, bonjour, professeur. Bonjour. Alors, c'est-elle le garçon à qui tu donnes des cours? Non, mon amour, c'est vraiment un garçon. Tu veux que je te dise? Tu me dégoûtes. Hein? Va te faire voir. Et surtout, n'essaie plus de me revoir, tu comprends? Ah bah mince, alors. Je pense que c'est cuit. Attends-moi! Écoute-moi, attends! Mais arrête-toi! Cécilia, arrête-toi! Attends, dégage! Attends, écoute-moi! J'ai pas envie de t'écouter, t'entends? Il faut que je te parle. Michel est amoureux de toi. C'est vrai. Mais qu'est-ce que tu racontes? Mais si, t'as pas vu comme il s'est senti mal? C'est ça, va te faire voir. Mais écoute-moi, tu comprends pas, entre nous, y a rien. Mais rien du tout, je t'assure. Et avec mon père? Avec ton père? Je crois qu'il faut qu'on en parle. Voilà la vérité. Je suis exactement comme ça a été dit. Un loser qui, pour se rendre intéressant, était prêt à faire du mal à une personne vraiment bien, en la montrant nue sur Internet. Ah oui, et c'est moi aussi. L'histoire des cornets à 1,50€ et de la coupe à 10€. Mais ça, vous le saviez déjà. Bien à vous, je rends l'antenne. Cécilia, si je me mets à rêver d'elle maintenant, on se connaît depuis tout petit, on regardait des dessins animés ensemble. C'est complètement absurde, non? Il n'y a pas d'autre alternative, Roboti. Tu connais ou tu ne connais pas la réponse? Oui. L'élément le plus important du septième groupe des métaux de transition est le manganèse, soit comme métal, soit en tant que composé. C'est-à-dire? Les sels de manganèse, le manganate et le permanganate. Ah! Ceterum sensio carthaginem delendam est
C'est ainsi que Marcus Porcus Cato terminait chacun de ses discours. Saurais-tu me dire comment on classe les propriétés des courbes algébriques ? Monsieur, décidément, vous faites une fixation sur les courbes. On parle de propriétés projectives et birationnelles. Quelles sont celles exprimées dans la transformée de Park ? Ça suffit ! Cessez de vous acharner sur ce garçon. Vous ne voyez pas à quel point il a travaillé, comme il s'est préparé ? Mes amis, permettez-moi d'en tirer cette leçon. Si ce garçon ici présent a pu nous sembler un mauvais élève, c'est uniquement par votre faute ! Vous n'êtes pas arrivé à lui donner la motivation suffisante pour qu'il se mette à étudier. C'est fini, mon garçon. Vas-y, tu peux y aller, Roboti. Mes félicitations. Tu viens d'être reçu. Au revoir, monsieur le directeur. Je vous remercie. Si. Et vous souriez. J'ai eu mon année. Génial. C'est trop bon. Et les gars... Mais... Et Cécilia? On l'a pas vu. Alors c'est vrai que t'es devenu super sérieux? Qu'est-ce que tu fais là? J'ai su que t'avais fermé ton blog et je me sens mal, parce que c'est un petit peu de ma faute. Michel! Ouais? Michel! Attends, mais tu... Je t'expliquerai tout. Salut! Alors? Alors t'as réussi? Uniquement grâce à vous, prof. La page doute, ça t'intéresse? Non, ça va, merci, y a plus besoin... Une promesse est une promesse. Eh ben d'accord. Très bien. D'ailleurs, mes parents sont de sortie ce soir. Ils vont à une compétition de danse. D'accord. Voilà, j'ai réussi mes examens. La prof veut se déshabiller pour moi. Je suis pratiquement devenu un mec hyper cool. Désolé pour le retard. Comment ça s'est passé? Bien, bien. Mais... Tu... Maintenant, je bosse avec mon père. Qui sait ? Peut-être qu'avec le bon professeur, il aurait réussi ses examens, lui aussi. Et peut-être qu'il serait devenu un grand savant. Peut-être. À partir d'aujourd'hui, beaucoup de choses vont changer pour nous tous. Quand on commence à grandir, c'est pas qu'on fait moins de conneries, c'est qu'on les fait de façon plus mature. Et on comprend que la seule manière d'obtenir ce qu'on veut, c'est souvent la plus simple. You're the one I've been waiting for. Oh. Allez, montre-moi. Ferme les yeux. On est arrivé. Attends. Ouvre-les. C'est trop bizarre ici. Ouais, ma sœur a des goûts vraiment très spéciaux. C'est clair. Mais c'est marrant, on est en train de piétiner l'histoire. Elle a récupéré tous les vieux journaux qui étaient à la cave. Mais le plus génial, c'est qu'ici, aucun policier ne pourra nous embêter. Oui. Attends, s'il te plaît. Attends une minute. Je voudrais te dire quelque chose. Quoi? Tu sais à quoi je pensais? Que si on avait fait l'amour plus tôt, tout serait déjà fini entre nous. Alors que là, au contraire, je me suis beaucoup attachée à toi. Et je trouve qu'on n'est pas le genre de couple qui couche un soir et puis plus rien. On vaut plus que ça. Et je trouve que toi aussi, tu vaux mieux que ce que tu penses. Je t'ai jamais dit que t'étais magnifique. Non, mais tu m'as dit que j'étais la seule fille à me refléter dans tes yeux. D'accord, mais ça je dis à toutes. Non, je suis désolée. Si Steve est sur le point de commencer une histoire sérieuse, si Federica et le garçon du pub ont l'air d'être de jeunes tout à fait normaux, alors ça veut dire que le monde a changé. Et moi, dans tout ça, mes parents et ma sœur passent la nuit dehors. Et il y a une jeune femme superbe qui vient d'arriver. Que demander de plus? Le mois d'août, c'est seulement la page d'un calendrier. Il vaut mieux l'équation qui remplit le tableau, non? À l'année prochaine. Barbara. T'es déçue? Je peux entrer? Elle t'a dit de venir. Si tu préfères, je m'en vais. Cécilia.
très joli ton tablier. Écoute. Toi, t'es... Non, t'es la coupe de glace à 10 euros. Et toutes les autres sont des cornets à 1,50€. J'ai tellement rêvé de ce moment-là. Michel. Oui. Pour moi, c'est la première fois. Et celui de la plage. Et Gran Sasso. C'était un bobard, tu m'as cru? Francesca, c'était toi qui devais nous inscrire. Non, mon cher, je te rappelle que c'est toi qui as pris le rendez-vous. Pas vrai, José? Qu'est-ce que j'en sais, moi? Ça fait 2 heures que vous vous disputez pour ça. Évidemment. C'est pas la peine de s'énerver. Vous savez quoi? On a qu'à se faire une soirée entre nous. C'est pas pareil. Je tenais tellement à cette soirée. Ah, parce que moi, j'y tenais pas, peut-être. Mais puisque je te dis que j'y suis pour rien. C'est un oubli, ça peut arriver. C'est pas moi qui aurais oublié, en tout cas. Oh, ça va, hein, commence pas. Toujours la même chose, on peut pas. Mais c'est tes parents. Ne généralise pas non plus. Un oubli, ça arrive à tout le monde. Et encore une fois, ce n'est pas. Qu'est-ce que ça peut faire? C'est la faute de...